On circule avec, c'est Renault qui nous la prête pour nous sponsoriser pour Bordeaux TV à laquelle vous allez passer cette émission si connue à Bordeaux. Ah bon, très bien. Vous êtes contente? Ravie, c'est tout à fait de notre âge de paraître à la télé. Bonne soirée mesdames. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je vais voir une copine qui fait que une boutique et puis voilà, on vient voir ce qui se passe. Et c'est quoi sa boutique? Je sais plus. Adichat. Adichat, ça. Eh oui, il paraît que ça se dit en basque, ça veut dire quoi en basque? Aucune idée, parce que je parle plus l'occitan depuis très longtemps. Bon, on va leur demander à l'intérieur. C'est mieux. Adichat, ça veut dire au revoir ou bonjour? Ça va? Bonjour. C'est toi le patron? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est pour cette nouvelle boutique. Lumière. Alors, vous l'avez créée donc tous les deux? Exactement. Dans le sens où Mélanie est là pour faire voguer le bateau Adichat sur la Garonne. Et donc ce soir, inauguration? Enfin, pas vraiment inauguration, plutôt une soirée dédicace avec Patrick Lavaux, qui écrit un livre, voilà, Loup Médoc, il parle en occitan. Adichat, alors ça veut dire quoi Adichat? Adichat, ça veut dire bonjour ou au revoir. Ah, donc on avait tout à l'heure, on n'avait pas tout à fait tort. Alors vous avez fait Loup Médoc? Voilà, j'ai fait un livre qui s'appelle Loup Médoc, des boucs à oreilles. Donc il se trouve que dans les années 80, je suis parti à la rencontre de plein de personnes dans le Médoc qui parlaient occitan. Je les ai enregistrés en occitan. Et de ces enregistrements que j'ai déposés aux archives départementales de la Gironde, j'ai sorti ce livre. Je dois avoir une vingtaine d'heures à peu près enregistrées en occitan. Et donc j'ai fait une sélection de 3 heures. Donc ce livre comprend 3 CD, 3 disques. Et en fait, le livre, c'est la transcription en occitan de ce que l'on entend sur les CD et la traduction aussi en français. Bonne soirée, merci. Allez, Adichat. Adichat, Adichat. Okay. Cette collection gourmet qui nous permet de représenter les divers départements de toute la Gascogne et ainsi remettre au diapason le fait que Bordeaux est l'ancienne capitale de la Gascogne. Les gens l'ont un petit peu oublié, mais voilà, c'est vrai que pour nous, quelque part, on a une forte légitimité à être présent sur Bordeaux. Patrick s'occupe des nuits atypiques de Langon. C'est génial ça. Oui, disons que ce travail sur le Médoc, c'est l'occitan d'une façon générale, c'est une de mes passions depuis 30 ans. Mais mon métier, c'est de diriger les nuits atypiques de Langon. Donc c'est un festival que j'ai créé en 1992. Et on va fêter cette année la 21e édition. Voilà, donc ça commence à faire un bail. C'est plus d'une génération que ce festival dure. Eh bien, Bordeaux TV sera présent. Cette année, nous invitons notamment Goran Brigovic, qui sera là avec 20 musiciens sur scène, plus un invité exceptionnel, enfin la personne de Stéphane Escher. Et puis l'autre groupe phare de cette 21e édition, c'est Amadou et Mariam, plus plein d'autres groupes à découvrir. Perrine Fifadji, qui est une franco-béninoise qui vit à Bordeaux. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous faites là avec votre âme? Soirée garden avec le restaurant Greg. Viens, voilà. On va voir vite fait. Alors, tu vois les petits animaux? C'est ça, les animaux. Ici, nous sommes chez Greg, alors c'est un endroit connu à Bordeaux, hein. De toute façon, on connaît chez Greg. Mais soirée avec des animaux. Vous êtes éleveur? Oui, je suis éleveur. Ça? À la ferme exotique de Cadojac. Voilà, alors si vous voulez voir des animaux, vous allez à la ferme exotique de Cadojac. C'est quoi, tous les jours? Oui, tous les jours ouvert, parc animalier avec promenade en dromadaire, calèche, à chevaux ou à âne. Maintenant, c'est toujours le concept de chez Greg. C'est monsieur et madame de Souza qui ont repris et qui n'ont absolument rien changé. Ah, vous êtes le repropriétaire de ce lieu? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez changé par rapport à chez Greg? C'est quoi les nouveautés? On n'a pas changé énormément de choses. Le lieu est très bien déjà. Le lieu est parfait, donc on essaye justement d'être dans la continuité et de faire justement de créer des ambiances dans la même thématique. Et,
et dans le même esprit et toujours au qualitatif. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait Greg Garden. Donc on a fait venir des animaux, qui est un peu particulier par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est une bonne initiative, c'est sympa. Voilà. Donc j'avais dans l'idée d'amener quelque chose de plus. Et je pense que voilà, les clients, ça les change un petit peu et je trouvais ça sympa, quoi. Mmh. Voilà, c'est un peu ramener la campagne à la ville avec les animaux, j'ai trouvé ça très drôle. Et donc là, nous sommes devant le Père Ouvrard. Nous allons passer une soirée avec Alain. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, j'ai une soirée une fois par mois. Branché. Un apéro sympa. Ouais. Plein de filles. Peut-être. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ce soir, c'est l'apéro, premier jeudi du mois. Nous avons des bons petits tapas, saumon, riz, foie gras, petit vin sympa. Alors les filles, qu'est-ce qui se passe ce soir? Dites-nous tout. Parle bien dans le micro, hein. Bonsoir, on fait la fête entre amis. Bonsoir sur Bordeaux TV. J'espère que vous êtes ravis de nous retrouver sur les micros de la ville. En tout cas, nous, nous sommes vraiment ravis. Voilà. Donc là, évidemment, vous avez compris, on peut découvrir le premier jeudi du mois. Il y a tout plein de choses. Alors attention, cet été, vous aurez les jeudis de la nuit, plus. Parce qu'effectivement, l'été, il se passe beaucoup plus de choses, avant le mercredi, avant le vendredi. Donc on peut faire un petit mélange. Et soyez au rendez-vous. Et on va en rendez-vous avec vous. Voilà. Bonne soirée. Et vous sentez avec vos délicieux, s'il vous plaît. D'un amoureux de l'Angleterre, un amoureux de la France et de Bordeaux et de sa région, l'Aquitaine, et qui a pu lier les deux en créant une marque de prêt-à-porter, puisque eh bien, il y a une histoire, une culture commune entre l'Angleterre et l'Aquitaine. Et donc, cette marque de prêt-à-porter se veut de style anglais, mais de confection entièrement aquitaine, donc 100% made in France, déclinée sur des sports d'origine britannique. Le cricket, bien représenté ce soir, le golf, le rugby, le polo et l'aviron.